Donc, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Frédéric Ledan du comité régional du tourisme Occitanie et je suis avec Mathieu Lenné que je présenterai un petit peu plus en détail après mon introduction de expert LS en fait comme location saisonnière. Donc bienvenue sur ce webinaire qu'on a appelé Booking ou Not Booking. En fait, donc l'objet, vous l'avez compris, c'est de vous aider à optimiser votre référencement sur les plateformes de réservation et à les utiliser et à optimiser leur utilisation. Quelques astuces que Mathieu vous donnera pour optimiser l'utilisation de ces plateformes. Alors l'objet du webinaire, c'est pas du tout de vous dire il faut aller sur les plateformes, mais à partir du moment où c'est un petit peu incontournable, vous expliquer comment on optimise et comment on gère au mieux sa présence sur les plateformes. Il y aura d'ailleurs un autre webinaire que va animer Mathieu le 25 avril sur l'utilisation en particulier d'un outil qui s'appelle Channel Manager, qui est très utile quand on est sur les plateformes. Et puis un autre webinaire en mai qui aura pour objet justement de vous dire attention, on va vous expliquer comment ne pas être trop dépendant des OTA et comment passer sa part des ventes en direct au-dessus des 50%. Donc vous voyez, on n'est pas là pour vous dire allez-y à fond sur les plateformes. Donc il y a d'autres ateliers, hein, puisque ça s'inscrit dans un cadre d'une vingtaine d'ateliers au total, certains sur la visibilité web avec Google Atelier numérique notamment, d'autres sur la commercialisation. Alors je vous ai mis, si vous allez voir en tête du fil de discussion, vous le retrouverez, je vous ai mis un petit message avec le lien vers le site pro du CRT, c'est là où vous pouvez voir tout le programme des ateliers, et c'est là aussi où vous pourrez voir les replays, puisque les ateliers sont enregistrés, donc vous pouvez voir le replay quelques jours après son live. À partir du site pro du CRT. Donc, comment ça se passe en fait? Bah, vous voyez, si vous n'avez pas participé au précédent webinaire, donc les micros et caméras des participants sont coupés, mais vous pouvez participer par écrit dans le fil de discussion, poser toutes vos questions ou faire des commentaires. Et puis, donc, moi, de temps en temps, je ferai le modérateur, je vais couper Mathieu pour lui poser vos questions. Donc, on ne va pas répondre systématiquement au moment où vous posez une question, je vais les regrouper par thématique et puis je lui poserai les questions. On va essayer de répondre quand même à tout le monde. Je lui poserai peut-être les questions un petit peu plus tard dans le webinaire au moment où on aborde le sujet. Voilà, donc peut-être on va y aller avec un premier sondage. J'avais prévu deux petits sondages pour nous adapter à vous et cerner un petit peu mieux qui vous êtes. Le premier, voilà, il doit s'afficher, donc vous pouvez déjà voter. Alors, on vous demande si vous êtes référencé déjà sur quelques plateformes et sur lesquelles. Voilà, je vois que les votes déjà ça rentre. C'est pour nous donner une petite indication. Voilà, ça va très vite, on a déjà plus de 70% des participants qui ont voté. Donc je vais déjà pouvoir vous donner. Allez, j'attends encore 2 secondes. Voilà, 85% de votants. OK. Voilà, donc ça nous donne, je l'affiche. Voilà, comme ça, vous le voyez, on a une petite majorité d'entre vous qui sont déjà sur Booking ou sur Airbnb, d'autres sur les plateformes du groupe HomeAway, 19%, 15% sur TripAdvisor et 44% sur d'autres plateformes. Donc merci, ça nous donne une première indication. Je vais tout de suite lancer le deuxième et dernier sondage. Hop, il est là, le deuxième. Alors, la question qu'on vous pose, toujours pour nous permettre de nous adapter un petit peu dans la présentation, est-ce que vous utilisez un Channel Manager, cet outil dont je parlais tout à l'heure? Alors, oui ou non? Ou certains peut-être ne savent pas ce que c'est. Oui, c'est le cas. Voilà, plus de 80% des personnes ont voté, donc je vais déjà afficher le résultat. Donc voilà, 23% d'entre vous utilisent un Channel Manager, 30% non, mais vous savez ce que c'est, et 47% non, du coup, et vous ne savez pas ce que c'est. Hop, j'arrête le partage. Je vais donner tout de suite la parole, du coup, à Mathieu. Merci Frédéric, bonjour à tous et bienvenue à ce cours. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir tous ici. C'est un joli moment à partager. On en discutait juste avant, justement avec Frédéric, et je trouve ça incroyable que autant de personnes veuillent justement apprendre sur la location saisonnière et toutes les. Ces parties vraiment différentes qui sont et la loi, et les photos, et le marketing. C'est vrai que
C'est vraiment passionnant, la location saisonnière. Mais quand on se met un petit peu vraiment à rechercher des informations, et des fois, ça peut être un peu compliqué. D'où cette action faite par Destination Occitanie qui est vraiment incroyable. Et voilà, c'est mon point de vue. Je me présenterai en fin de cours. Je vous expliquerai un petit peu qui je suis et ce que je fais. Mais je pense que le mieux, c'est déjà de commencer un petit peu et de voir un petit peu si vous devriez dépenser ou plus lorsque vous vous publiez sur une plateforme comme Booking. J'aimerais déjà savoir un petit peu, avoir votre avis, savoir si vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de payer plus pour pouvoir être en première position de Booking, est-ce que vous pensez vraiment que ça va vous rapporter plus de réservations? Est-ce que c'est une donnée assurée pour vous de payer plus sur Booking? N'hésitez pas, j'ai simplement accès au chat, donc n'hésitez pas si vous voulez envoyer quelques messages sur le chat pour voir un petit peu votre avis sur ce sujet. Ah, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui réagit. Il faut appuyer, ça arrive. Vous pouvez appuyer sur le bouton converser ou discuter selon les appareils pour avoir accès au chat et puis communiquer avec nous. Et un peu de tout, hein, je vois. Non, pas du tout, aucun intérêt. Je n'ai pas de chat. Ah, j'aime bien celle-là. Booking sont des requins. Ils donnent de la visibilité. OK. OK, parfait. On a un peu de tout, en fait. On a certains qui disent en effet que oui, c'est incontournable. D'autres que ça ne donne aucune visibilité. OK, ça aide à remplir hors saison. Oui, aussi, en effet, ça aide. Parfait, la commission qui est prélevée sur les réservations. Oui, tout à fait, en effet. Alors, en effet, il y a plusieurs manières d'utiliser Booking et Airbnb. On y reviendra un petit peu plus tard, si vous voulez. Mais bon, en attendant, on va commencer donc par le sujet par lui-même. Est-ce que payer plus sur Booking vous permet de vendre plus? Eh bien, non. Il a été démontré que le fait de payer plus ne vous apportera pas plus de réservations. Et vous avez plusieurs étapes en premier à réaliser avant de payer plus sur Booking. On va commencer tout de suite par la première partie qui est optimiser votre annonce. La plupart des annonces sur Booking, Airbnb, Abritel ou toutes les passerelles disponibles sur le web, en général, les annonces ne sont pas optimisées. Il existe en fait plusieurs manières d'optimiser ces annonces pour recevoir plus de réservations. D'accord ? Donc, pour obtenir l'attention des voyageurs, votre annonce doit ressortir du lot. Mais comment l'améliorer et la démarquer ? En fait, chaque détail compte. Il y a une expression anglaise qui dit the details are the devils are in the details. C'est vraiment chaque petite chose compte. Vous pouvez optimiser le titre, la description, les commentaires voyageurs, les avis. Aussi, vos temps de réponse est très important. Les éléments de confort, c'est aussi quelque chose qui vont beaucoup. Les éléments de proximité et les photos. On va commencer par le titre. Le titre, c'est la première chose que les voyageurs potentiels liront. C'est à vous de le faire compter. Pour ça, vous utilisez un titre pour transmettre les principaux arguments de vente de votre location, comme par exemple la proximité de la plage, de superbes vues ou une piscine privée, plutôt que les informations que les navigateurs connaissent déjà, comme la ville dans laquelle se trouve votre propriété. Une chose que je vois souvent, c'est une petite parenthèse, c'est que, en général, beaucoup de personnes mettent dans leur titre appartement 2 pièces à Nice. Les gens, quand ils vous recherchent sur Airbnb, Booking ou Abritel, savent déjà où ils vont aller à Nice. Ça ne sert à rien de mettre cette information. Pareil pour un 2 pièces, ne mettez pas 2 pièces. Les personnes ont déjà fait une recherche antérieure pour pouvoir trouver exactement un 2 pièces. Ils auront recherché, par exemple, sur Airbnb,
un appartement pour 4 personnes. D'accord ? Mettez des choses qui fassent rêver. Vous êtes proche de la plage, mentionnez-le. Vous êtes proche des pistes, la même chose, mentionnez-le. C'est vraiment ce qui fera de votre annonce une annonce unique. N'hésitez pas surtout à poser vos questions et au fur et à mesure, on y répondra sans aucun problème. Alors oui, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui ont dit qu'ils ne voyaient pas les commentaires des autres personnes dans le fil de discussion. Alors ça, c'est la configuration de votre propre ordinateur. Normalement, vous avez un petit bouton qui vous permet de vous mettre en plein écran ou pas, ou peut-être essayer d'appuyer sur la touche « Échappe » pour voir l'ensemble des cases. À notre niveau, malheureusement, on peut rien faire. Donc, c'est en fait en fonction de l'affichage de votre écran. Merci beaucoup. Donc, regardez, les statistiques montrent que les photos influencent 60% de la décision du voyageur lors de son choix. Ici, l'idée, ce n'est pas de faire un cours sur les photos. Il y en a eu d'ailleurs un excellent qui a été fait il y a quelques jours. Mais c'est de repasser un petit peu, de vous démontrer la différence entre une bonne annonce et une mauvaise annonce. Cette annonce, par exemple, ne vend pas de rêve. En effet, elle présente l'appartement, mais comparée à cette annonce, clairement, la deuxième annonce va vendre beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vend du rêve. On montre en fait une terrasse sur laquelle nous allons dîner le soir, une piscine depuis laquelle on va avoir une superbe vue. C'est en effet deux typologies différentes d'appartements, mais la première aurait pu être largement améliorer en essayant de vendre un petit peu plus de rêves, vraiment. C'est mon point de vue à moi. Et regardez les titres aussi. La première annonce, vous avez ici un studio Nice carré d'or. Et comme je vous expliquais juste avant, en effet, les gens savent déjà qu'ils vont vous réserver un studio. Ils savent déjà qu'ils vont à Nice. Vous n'avez pas besoin de le remettre dans le titre. Par contre, Royal Luxembourg Promenade Anglais 5 personnes, ici c'est quelque chose d'un peu plus parlant. On sait où on va, on sait qu'on va être proche de cette zone qui est très très demandée sur Internet. Et simplement avoir les photos, j'ai déjà plus envie d'aller voir le deuxième appartement que le premier. D'accord ? La session photo. Donc on va y repasser rapidement. L'important est de soigner les détails. Mettez, par exemple, des couverts sur la table. Faites bien les lits. Les lits doivent simplement mettre, par exemple, sur la première photo, vous voyez un petit bout de lit, mais vous ne voyez pas vraiment le lit en entier. Sur la deuxième photo, on voit que les photos ont été prises en grand angle. Les photons ont beaucoup utilisé la lumière naturelle artificielle. Ici, les photos au-dessus, bon, la lumière naturelle n'a pas été vraiment optimisée, on va dire. Vous devez prendre des photos depuis différentes perspectives. Le mieux, c'est déjà de prendre beaucoup de photos, de les prendre depuis chaque angle de chaque pièce. Ça permet après de faire une sélection et de trouver le meilleur angle et garder la photo suivant le meilleur angle de la pièce. D'accord ? Vous pouvez ensuite éditer vos photos. Vous avez plusieurs manières directement depuis le logiciel de votre smartphone. Mais après, vous avez par exemple des solutions gratuites comme GIMP. C'est une solution qui est disponible sur le web, gratuite, et qui va vraiment vous permettre d'optimiser la lumière dans les appartements, de le rendre plus cosy, on va dire, plus avenant. Et enfin, une dernière petite stratégie de réduire le poids de vos images. Sur Airbnb, ce sera fait automatiquement. Pareil sur Booking ou sur Abritel. Par contre, si vous avez un site web, le fait que vous ayez des images qui soient trop lourdes ralentira le chargement du site et vous pénalisera sur Google. Petite chose à savoir. Donc voilà. Et lors de la mise en ligne, la photo principale doit montrer les atouts de votre logement. Là, clairement, sur la deuxième présentation, on voit en effet une table sur un balcon en face de la mer. Moi, clairement, je me vois en train de dîner ici et j'ai tout de suite envie de réserver cet appartement. On a aussi, donc, ici, on voit la table à l'intérieur, dans le séjour, pareil, avec une vue derrière extraordinaire.
Les cinq premières photos doivent montrer les différentes pièces. Très important, Airbnb, en effet, a changé il y a à peu près 3 ans son format pour montrer les photos. Maintenant, vous avez 5 photos. La première, la principale, doit vraiment vendre les atouts de l'appartement, mais les 4 autres pièces, profitez-en vraiment. Cette organisation a été faite pour ça, montrer sur chaque photo une pièce différente. D'accord ? Vous devez avoir minimum donc la photo principale qui vraiment vend les atouts de votre appartement, le séjour, la cuisine, la chambre et peut-être donc les parties communes. Et enfin, raconter une histoire au voyageur. Le voyageur doit vraiment pouvoir se visualiser sur cette terrasse, dans cette piscine. La première propriété, je me vois dans la cuisine en train de faire mon hot dog, ça ne me fait pas trop rêver. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux photos ? Il y a eu une question sur le nom de l'appli. Vous avez plusieurs. Hein. Vous avez GIMP, G-I-M-P. Donc ça, c'est un logiciel gratuit que vous trouvez sur le web. Le logiciel directement embarqué sur votre smartphone, en général, il y en a des très, très bons qui déjà font un bon travail. Pour optimiser le poids des images, vous avez Squoosh, S-Q-O-O-S-H. C'est très facile à utiliser. C'est un site web qui a été développé par Google et qui vous permet vraiment de réduire le poids des images. Il est vraiment très, très bien fait. Et après, bon, vous avez des logiciels beaucoup plus chers comme Photoshop ou Lightroom, mais ils ont un certain coût. Et peut-être qu'au début, pour commencer, ça sera peut-être un peu trop. Donc, voilà. Le descriptif. Alors, le descriptif, c'est pareil. C'est très important. Vous avez plusieurs étapes. Vous devez noter tous les arguments de vente de votre appartement. Vous devez aussi fournir des détails sur chaque chambre, y compris la taille des lits. Par exemple, aux États-Unis, le fait d'avoir des lits king size est un argument de vente très important. Les Américains et les Hollandais d'ailleurs adorent les lits king size. Ils aiment bien avoir leur place pour pouvoir dormir. C'est une donnée intéressante. Le nombre des toilettes et de douches aussi. Quand des personnes viennent en groupe, ils aiment bien savoir qu'ils vont avoir plusieurs toilettes ou douches à utiliser. Soyez ingénieux. Dédiez une partie de votre description aux environs. Mentionnez aussi toutes les attractions à proximité qui pourraient inciter les voyageurs à réserver votre annonce. Recommandez des restaurants, des épiceries bien situées. Et incluez des informations utiles telles que la proximité de votre propriété avec les transports en commun et la longueur du trajet entre votre location et les sites touristiques populaires. Vers Nice, par exemple, je ne sais pas si on a des personnes de Nice, hein, beaucoup de personnes viennent donc pour la plage, mais aussi pour tout le tourisme d'affaires. Et donc, clairement, le fait de savoir où sont les choses proches de l'appartement ou comment se rendre à tel endroit ou tel autre endroit, c'est quelque chose de très important pour eux. Donc, n'hésitez pas à faire apparaître. C'est un peu de travail, en effet. C'est affiner les annonces, mais clairement, vos clients vont l'apprécier et ça vous aidera à louer plus. Soyez stratégique. Incorporer des mots à la mode qui permettent à votre public cible. On a tous un public cible. Certains, c'est la plage, d'autres, la mer. D'autres, ce sont les jeunes mariés et d'autres, ce sont les voyageurs d'affaires. Par exemple, ici à Toulouse, on a beaucoup de voyageurs d'affaires. On utilise donc des mots-clés comme Wi-Fi au débit. On utilise aussi, ben, par exemple, pour la cible romantique, les jeunes mariés romantiques. Très belle vue. Vous pouvez utiliser des milliers de mots comme ça qui vraiment auront une affinité avec votre public cible. D'accord ? Proche des pistes, si vous vous adressez aux skieurs, avec vue sur la mer, vue sur la plage, vue sur la montagne, très important, utilisez vraiment ces mots-clés et dans les titres
et dans le descriptif. Soyez professionnel. Utilisez un correcteur orthographique ou un outil Grammarly pour relire ce que vous avez écrit. Il a été en effet démontré que les annonces dont la grammaire ou l'orthographe sont médiocres convertissent moins de prospects. Une autre chose que j'ai vue, je ne l'ai pas mis ici, beaucoup de gens écrivent leur annonce en majuscule. Tout en majuscule. Pourquoi ? Pour attirer plus l'attention du client. Ça ne marche pas. Les majuscules, retirez-les, c'est horrible. Les gens ont l'impression que vous êtes en colère quand vous écrivez votre annonce. Donc, écrivez normal, en minuscule, mais vraiment faites très attention à l'orthographe, mais aussi donc aux mots-clés. Soyez actifs, modifiez régulièrement vos descriptions pour tenir compte de la saisonnalité et des événements locaux. Par exemple, la montagne, vous avez deux types de tourisme, un type été, un type hiver. Le type été fera plus de VTT, le type hiver fera du ski. Donc, n'hésitez pas à modifier les photos, mettre des photos de personnes, par exemple, faisant du VTT en été ou de personnes faisant du ski en hiver. La même chose pour votre logement. Votre logement, présentez-le en hiver et en été. D'accord ? Ça vous fera déjà, encore une fois, vendre plus. Et comme on le verra un peu plus tard, Airbnb augmentera le nombre de vues de votre annonce si vous la modifiez régulièrement. Comme vous le savez tous, chaque site a un algorithme différent. Ces algorithmes permettent de mettre en avant une annonce ou une autre. Est-ce que vous avez une petite idée de l'algorithme utilisé par exemple par Airbnb ou Booking? Quels sont les points, les données reprises par ces algorithmes pour mettre votre annonce en avant? Une petite enquête rapidement, si vous voulez y répondre. Savez-vous quelles sont, par exemple, sur Booking, les données reprises pour vous faire apparaître en première position? Les promos, aucune idée? Non. Non, pas du tout. Eh bien, non. On dirait que personne ne sait. Le lieu. Ah, le lieu, en effet, c'est une des données. C'est la première donnée, d'ailleurs. Le lieu, en effet, les personnes, en général, recherchent par lieu. Oui? Non. OK. Alors, il y en a plusieurs. Comme vous verrez ici sur la photo, la première, c'est la note que vous laisseront vos génius aussi, en effet. La note laissée par vos voyageurs. Ici, par exemple, on a 8,6. La classification, en effet, si vos voyageurs classifient correctement, bien ou très bien votre annonce aura plus de chances de sortir dans les premiers résultats. Aussi, les commentaires des voyageurs. Les commentaires des voyageurs sont repris, est une donnée très importante sur Airbnb. À savoir que pour Airbnb, le confort du voyageur est une priorité. Donc, vous aurez toujours ces données, commentaires voyageurs, la note du voyageur qui sera repris, qui sera très importante pour Airbnb. Donc, les commentaires des voyageurs, la note des voyageurs, le temps de réponse. Hein. Le temps de réponse aussi, c'est une donnée importante. Plus vite vous répondrez aux questions des voyageurs, mieux vous serez noté par Airbnb, Booking ou Abritel. C'est pourquoi je vous conseille de télécharger sur votre téléphone les applis proposées par ces plateformes. Cela vous permettra de pouvoir répondre plus rapidement aux voyageurs et d'être mieux référencé sur leur site. Le nombre de vues de votre logement. Plus votre logement aura de vues, plus il sera mieux classé. Encore une fois, pour améliorer le nombre de vues de votre logement, comme vous le voyez ici sur cette publicité, les premières choses que verront vos locataires ou futurs locataires seront la photo principale, le titre et
votre note moyenne. C'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ces détails, car ces détails seront les détails qui vous feront vendre plus sur toutes les plateformes. Et aussi, n'oubliez pas que la mise à jour de votre annonce, comme je vous disais antérieurement, vous donnera un coup de pouce dans les résultats de recherche Airbnb. Le fait de mettre à jour votre annonce tous les 2-3 mois vous donnera un petit coup de boost sur Airbnb, Booking aussi, Abritel aussi, et reclassifiera votre annonce dans les premières annonces présentées au public. Donc, n'hésitez pas à changer une photo, à modifier un petit peu le descriptif, le titre. Surtout, prenez soin de vos annonces et rapidement, vous verrez que vous serez classifié dans les premières positions. Dans le fil de discussion, on a eu des personnes qui ont proposé comme algorithme le taux d'annulation ou le fait de faire des promos. Alors oui, le taux d'annulation aussi, ça y compte beaucoup. Plus vous annulerez des réservations, en effet, plus vous serez vers le bas. On verra de moins en moins. Le taux d'annulation, clairement, c'est quelque chose qui est… Moins vous annulez, mieux c'est. Le taux d'annulation, c'était quoi d'autre? Le fait de faire des promos. Pardon? Des promotions. Alors, les promotions, non. Les promotions, oui, ça aide, mais ce n'est pas quelque chose qui vous fera remonter dans les premières positions. Ça aide au niveau du visuel. Dans le visuel, vous verrez toujours, vous avez le prix de base barré, ensuite la promotion à compter. C'est un argument de vente, mais ce n'est pas repris dans l'algorithme Airbnb, Booking et Abritel. Ce n'est pas quelque chose qui fera remonter votre logement dans les premières positions. À propos du taux d'annulation, on demande si quand le client annule, est-ce que c'est vraiment pris en compte ? Non, c'est vraiment quand le propriétaire annule, où là, ça vous pénalise. Le locataire, ça n'a rien à voir dans votre référencement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour l'instant, pas beaucoup, mais il y en a une à l'instant qui arrive. Est-ce qu'un gîte communal peut être mis sur Booking? Oui, un gîte communal peut être mis sur Booking sans aucun problème. Booking a... Un gîte communal a-t-il un numéro d'enregistrement juste pour être certain de ne pas faire une bêtise? Est-ce que vous avez un numéro d'enregistrement au niveau de… Personne ne va pouvoir répondre. Oui, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez bien le publier sur Booking. D'ailleurs, je vous conseille de le mettre sur Booking, sur Airbnb, sur Abritel. C'est mon conseil. Maintenant, on va voir un petit peu justement cette partie-là. Mais vous pouvez aussi le mettre sur Airbnb si vous le désirez. D'accord? Alors, comment mieux gérer ces annonces sur plusieurs plateformes? Au travers de Channel Manager. Avant de passer au Channel Manager, j'aimerais vous montrer quelques statistiques intéressantes. En premier, la première statistique à savoir, c'est qu'il y a une dominance Airbnb au niveau mondial. Bien qu'Airbnb soit un acteur majeur de la location de vacances en Europe, d'autres plateformes telles que Booking et Abritel disposent de canaux dynamiques prépondérants. Regardez en haut, vous voyez les pourcentages, tout ce qui est Asie et Amérique du Sud, qui sont des pays émergents, Airbnb a vraiment une place très importante. En effet, pour eux, Airbnb, c'est la plateforme par défaut pour publier ses annonces de location saisonnière. En Europe, qui est un marché un peu plus ancien, et en Océanie aussi, mais c'est surtout l'Europe ici qui nous intéresse. Ici, on a vraiment une bonne répartition des publications sur les différentes plateformes. Ici, en effet, Airbnb prend 47% du marché, Booking 36% et Abritel, la famille Abritel, qui prend 17% du marché. C'est important de savoir ça. Pourquoi? Regardez bien la répartition du marché. Donc, vous avez plus de la moitié de l'inventaire des propriétés de location de vacances qui apparaît sur Airbnb. Les 2/5 sur Booking et 1/5 sur Abritel. Il y a une petite chose ici qu'on voit, c'est que seulement 3% des annonces
apparaissent sur les trois plateformes. C'est quelque chose, c'est une donnée très, très intéressante. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici sur le nombre moyen de nuitées réservées par mois et par annonce, suivant la diffusion des plateformes, on voit qu'on peut que les annonces publiées sur Booking reçoivent une moyenne de réservation au mois de 16,5 jours. Sur Booking, de 12,1 jours et sur Abritel, de 7,4 jours. Maintenant, si vous connaissez trois plateformes, vous publiez sur ces trois plateformes, vous aurez donc normalement un nombre moyen de nuitées réservées par mois de 20,9%. C'est énorme la différence. Ça veut dire que vous aurez les deux tiers du mois réservés. Donc, les statistiques parlent. Clairement, moi, je vous conseille de vous publier sur non pas une seule plateforme, sur trois plateformes. Hein. Vous aurez quasiment donc un 20% de plus que si vous en vous connectant sur trois plateformes que sur une plateforme sur Airbnb, par exemple, ou Booking, vous aurez quasiment un 40% de plus de réservations. C'est juste énorme. Maintenant, en effet, ça peut être un peu problématique. Pourquoi ? Pour gérer les calendriers et pour gérer aussi la mise à jour des réservations, la mise à jour des prix, la mise à jour des photos. En effet, ça peut être un peu compliqué et ça demande du travail. Heureusement, nous avons les channel managers. Alors, que sont les channel managers? Un channel manager vient simplifier la gestion de votre établissement en automatisant la publication de vos biens et en actualisant automatiquement leur calendrier et leur disponibilité sur les canaux de votre choix. C'est-à-dire, un channel manager, c'est une plateforme. Depuis une plateforme unique, vous allez une seule fois mettre ici vos prix, vos tarifs, vos photos, vos disponibilités, et automatiquement, vous allez choisir les plateformes sur lesquelles vous décidez de publier vos biens. Ça peut être Airbnb, Booking, Abritel, mais vous en avez comme ça 80, 100, 120. C'est vraiment votre choix. Attention, ne publiez pas non plus, ça ne sert à rien. Ne vous publiez pas sur tous les canaux de diffusion, ça ne sert à rien. L'idée ici, c'est vraiment de choisir ceux qui sont en correspondance avec votre public cible. D'accord ? Donc, clairement, vous avez les trois plus grandes qui sont Airbnb, Booking et Abritel, mais si vous faites dans le luxe, au lieu de Airbnb, choisissez Airbnb Luxury, qui est vraiment dédié au luxe. C'est pareil, si vous êtes à la mer, ne vous publiez pas sur ski.com, ça ne sert à rien. Les gens n'iront pas sur cette plateforme pour vous rechercher. Mathieu, il y a pas mal de questions. Oui, je vous écoute. Il y a eu des questions beaucoup sur la visibilité, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas y répondre tout de suite. Je les garde sous le coude pour les reposer à Mathieu tout à l'heure. Là, il y a des questions relatives au channel manager. Donc, est-ce qu'il existe des channel managers français? Et puis des questions relatives à la clientèle, en fait. Est-ce que selon les plateformes, il y en a qui sont plus ou moins adaptés à tel ou tel type d'hébergement, une plateforme plutôt pour les gîtes, une plateforme plutôt pour les hôtels, ou est-ce que c'est généraliste? Et au niveau de la clientèle, du coup, il y a quelqu'un qui nous a dit, moi, j'aime pas la clientèle Airbnb parce qu'elle n'est pas adaptée à tel ou tel type d'hébergement. Est-ce qu'on a des caractéristiques, en fait, des clientèles plus majoritaires sur certaines plateformes plutôt que d'autres? Alors, oui. Tout à fait. En effet, par exemple, pour les hôtels, comme on le voit ici, vous avez par exemple Hotel Beds, Hotel World, HRS, c'est vraiment plus pour les hôtels, d'accord? Airbnb, Expedia, c'est vraiment plus pour des locations saisonnières, pour dédiées aux familles, aux groupes d'amis. Hein. Despegar, c'est un petit peu pour tous les types de clients. Et Booking, à la base, c'est l'idée de Booking, il y a quelques années, c'était vraiment dédié qu'aux hôtels. Ça a évolué ces dernières années, ils ont vu en effet qu'il y avait un bon business à prendre dans la location saisonnière et ils ont décidé vraiment de se mettre dans la location saisonnière. Comparé à Airbnb,
clairement, le booking n'est pas aussi simple d'utilisation, n'est pas aussi adapté à la location saisonnière que Airbnb. C'était vraiment une plateforme développée pour la location saisonnière, pour les familles et pour les amis aussi, bien sûr. Maintenant, quand j'entends dire que Airbnb, les gens qui réservent sur Airbnb ne sont pas des gens faits pour mon business, moi, je pense plutôt qu'il faudrait refaire la description de l'appartement. Vous pouvez en fait limiter, j'ai entendu, il y a en effet des histoires horribles sur Airbnb. On a détruit mon appartement, les gens qui viennent de Airbnb ne sont pas les meilleures personnes. Je peux vous assurer que Airbnb, il y a de tout et il y a vraiment un bon public aussi. Maintenant, vous pouvez limiter la casse en demandant par exemple qu'on vous laisse pas mal un bon dépôt de sécurité dès le début. Vous pouvez aussi vraiment spécifier dans l'annonce que votre logement n'est pas fait pour la fête. Il y a vraiment plusieurs choses à mettre en amont avant de renoncer à Airbnb. Airbnb, on l'a vu juste avant, vraiment, renoncer à Airbnb, c'est renoncer à un énorme pourcentage de réservations. Donc, au lieu de renoncer à Airbnb, peut-être augmenter les prix de Airbnb. Si vous avez, par exemple, une nuit à 120 euros, grâce au Channel Manager, vous pouvez décider, par exemple, d'augmenter sur cette plateforme, on va dire, d'un 30% le prix, d'accord ? Donc, vous allez avoir des personnes d'un niveau un peu plus haut qui prendront soin de votre appartement. Mais ça vous permettra toujours sur Booking, par exemple, d'avoir des prix vraiment corrects où vous pensez que vous aurez un meilleur type de clientèle. Donc, c'est ce que vous pouvez faire grâce aux différents channel managers. Je vous en ai mis quelques-uns en bas. Bed24, c'est un des plus connus ici en France. Logify aussi, il est très connu. Renters United, pour moi, c'est ma référence. Par contre, il n'est pas français, mais il publie sur les mêmes plateformes que Bed24 ou Logify. Il est vraiment bien fait. Ils vous permettent, à la base, un channel manager, c'était vraiment une plateforme pour publier sur 20, 30, 50, 60 plateformes. Maintenant, on vous offre plus que ça. Ça vous permet aussi de gérer depuis la même plateforme tous vos messages. C'est-à-dire que si vous recevez un message depuis Booking, Abritel, Airbnb, Expedia, Hotel World, vous le recevrez sur cette plateforme et vous pouvez répondre depuis cette plateforme. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir 10, 20, 30 applications installées sur votre téléphone. Ça permet aussi, certaines d'entre elles permettent aussi d'avoir un accès aux propriétaires. Vous avez des plateformes, en effet, dédiées aux propriétaires qui verront automatiquement les réservations qui tomberont de toutes les plateformes. Et donc, voilà plus ou moins l'idée d'un channel manager. C'est vraiment de vous rendre la vie plus facile, d'améliorer vos diffusions et votre visibilité sur le web. Alors, il y aura d'ailleurs le 25, je le rappelle, le 25 avril, une formation dédiée à ça, l'utilisation des calendriers synchronisés, des channel managers, justement avec Mathieu. Mathieu, je me permets encore une série de questions. Il y avait pas mal de questions dans le chat. Sur justement, Eloi, on nous a parlé plusieurs fois d'Eloi. Est-ce que c'est un channel manager? Oui, et français d'ailleurs, local. Ils sont basés en Occitanie. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, les channel managers, il y en a tellement. Maintenant, c'est vraiment quelque chose. Il y en a beaucoup. Alors, vous donnez une liste. Je pourrais, si vous voulez, après, vous donner une liste. N'hésitez pas. Je vous enverrai une petite liste. Mais il y en a tellement. Alors, c'est pas en fait de. Moi, je vous conseille. Il y a des très bons sites web qui font des comparatifs des channel managers. Et je vous conseille vraiment d'aller les voir sur Internet. Dans Google, rechercher comparatif de channel manager. Ce n'est pas en fait
Pour choisir un channel manager, il faut vraiment le choisir en fonction de vos besoins et du type de clientèle, surtout, auquel vous vous adressez. Hein. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Vraiment, ça dépend vraiment de vos besoins à vous et du type de clientèle auquel vous vous adressez. Hein. Par exemple, une plateforme qui vraiment attire beaucoup de personnes, c'est sur Google Maps. Hein. C'est Google. Google Maps, pour y être publié automatiquement, vous n'avez que quelques channel managers qui vous le permettront. Par exemple, Rentals United, Bet24 sont quelques-uns d'entre eux. Vous avez un autre channel manager très très connu en France qui s'appelle Pop Connect qui vous le permet. Pop Connect est un channel manager très très connu au niveau des agences immobilières, par exemple. Hmm? Donc voilà. Après, vous avez des channel managers aussi, c'est pareil encore une fois, des channel managers qui vont vous charger un certain pourcentage des locations, hein, qui peuvent être jusqu'à 3% par exemple, ou 6%. Donc, par exemple, quand c'est un pourcentage, vous pouvez l'intégrer dans le prix final et le faire payer au locataire. D'autres, Ventures United par exemple, eux, c'est vous allez devoir payer un certain montant par mois. Encore une fois, c'est un calcul à faire. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas? C'est vraiment à vous de le définir suivant le type d'entreprise que vous avez. Okay. Donc, voilà. Une question du très joli domaine Lagardelle à Rocamadour. On fait un petit peu de pub, hein, tant qu'à y être. Y a-t-il des plateformes plus spécialisées dans la clientèle française et inversement pour la clientèle étrangère? Non. Pop Connect peut-être. Peut-être que Pop Connect et Bet24 se dédient beaucoup plus à la clientèle française. Mais encore une fois, en général, toutes les plateformes toutes les channel managers, par exemple, Rentals United vous dira, ok, cette plateforme est plus dédiée à des visiteurs hollandais. À des visiteurs français, à des visiteurs des États-Unis. Encore une fois, un channel manager, ce n'est pas en fait le channel manager qui va définir vraiment où vous allez vous diffuser. Chaque channel manager va vous offrir plus ou moins entre 80 et 120 plateformes de diffusion. Les plateformes de diffusion, c'est à vous de les choisir suivant la typologie de votre clientèle. Mais imaginez, par exemple, Abritel, ça représente à peu près 26 plateformes. Abritel, ça fait partie de la famille HomeAway. Et HomeAway, par exemple, ce n'est pas connu sous ce nom-là en France, mais c'est aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord. Les gens ne connaissent pas Abritel, ils connaissent simplement HomeAway. Pourtant, c'est la même plateforme, la même famille. Quand vous vous publiez sur Abritel, vous êtes automatiquement publié sur HomeAway et sur 26 autres plateformes. Ok. Logitify, oui. Pardon, je pensais que tu avais fini de répondre. Non. En fait, Logitify, Bet24, Rentals United va vraiment vous permettre une sélection de certaines plateformes, celles vraiment spécifiques pour votre clientèle. Et voilà. Mais après, donc, il faut vraiment pour choisir l'une ou l'autre, c'est vraiment suivant, encore une fois, suivant votre compagnie. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez simplement une gestion de calendrier et de mise à jour des calendriers suite aux réservations et de vos tarifs? Est-ce que vous recherchez aussi plutôt d'avoir la communication client ou propriétaire depuis une seule plateforme? Ça dépend de vous, en fait. Et c'est vraiment ce que va vous donner ici un channel manager. Cette facilité de choisir, de rendre plus facile tous les jours votre travail. Ok. Il y aura des questions sur les tarifs aussi des plateformes. J'y reviendrai. Mais déjà, une question de Anne que j'avais gardée sous le coude. Hein, ne vous inquiétez pas. Tourisme handicap. Quand on a un gîte labellisé, est-ce qu'il existe des plateformes spécifiques? Tout à fait. Il existe des plateformes spécifiques. Encore une fois, là, je n'en ai aucune qui me vient à la tête, mais oui, tout à fait. Et encore une fois, par exemple, Bet24, Rentals United va vous le spécifier. Au moment de connecter une plateforme à votre channel manager, il va vous dire
cette plateforme est vraiment dédiée à un tourisme à mobilité réduite. Pareil, vous avez des plateformes dédiées pour le tourisme gay qui rapportent beaucoup d'argent. Ce sont des personnes qui vraiment ont un pouvoir d'achat très important. Vous avez aussi le tourisme d'affaires. Vous avez vraiment en fait des plateformes dédiées à un public vraiment précis. Hein. Mais lorsque vous allez maintenant, vraiment, quand vous allez vous connecter à une passerelle, automatiquement, justement, c'est un des travaux de Rentals United, Logify ou Best 24, c'est vraiment de vous dire à quelle typologie de public vous allez vous adresser lorsque vous allez vous connecter à cette plateforme. Voilà. Des exemples peut-être ? Par exemple, Rentals United, alors c'est dommage, j'aurais dû faire une copie. On a encore un cours donc, dans une semaine et j'aurais des exemples pour vous. Clairement, là, je n'en ai pas pris. Mais par exemple, Rentals United, quand vous allez vous connecter, ça vous explique. Despegar est un, par exemple, ici, Despegar, c'est vraiment leur publication est vraiment optimisée pour tout ce qui est public d'Amérique du Sud. Expedia, eux, c'est beaucoup plus de l'Amérique du Nord. Ils ont vraiment une grosse influence en Amérique du Nord. Booking, c'est beaucoup plus européen. Vraiment, ils ont la main mise en Europe. C'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, Hotelbed, c'est vraiment international, mais ils ont vraiment une mainmise en Espagne, par exemple, hein, Hotelbed. Donc, il y a une petite introduction sur chaque passerelle. Pour la semaine qui vient, j'aurai plus d'informations à vous donner, si vous voulez, par rapport à ça. Je prendrai des petites copies écran et comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se présente. Je pense même qu'on pourra aller sur Rentals United pour vous montrer comment connecter une passerelle et justement comment ça se passe, tout le process et comment bien choisir ces passerelles. Ok. Alors après, il y avait d'autres questions sur la visibilité, mais je les garde peut-être pour un peu plus tard, Mathieu. Qu'est-ce que tu en penses ? Aucun problème. Ça marche. Okay. Alors, juste rappeler que, évidemment, vous l'avez compris, on est complètement indépendant de toutes ces plateformes. Il n'est pas question de faire de leur publicité. Simplement, on essaye de vous donner des éléments objectifs les plus précis possibles hein, pour vous aiguiller dans vos choix. Tout à fait. Ici, il s'agit en fait d'un type de marketing. Il existe différents types de marketing pour promouvoir vos locations saisonnières. Ici, bon, on est dans justement le marketing de passerelle, non, c'est-à-dire Airbnb, Booking. On appelle aussi ça un marketing d'annuaire. C'est-à-dire que vous allez, comme par exemple les pages jaunes, vous allez donc vous publier sur un annuaire pour faire ressortir votre annonce. Améliorer votre annonce, comme par exemple les pages jaunes où vous avez toujours ces encarts énormes de plombier pas cher et avec un super service, c'est la même chose ici. Vous pouvez améliorer votre annonce pour ressortir du lot. Mais ici, il ne s'agit que d'une typologie de marketing. Il en existe plusieurs. Certaines n'utilisent pas du tout ni les channel managers, ni Airbnb, Booking, Abritel. D'accord ? Pour terminer, donc, avec les channel managers, vous avez en fait, comme je l'expliquais, vous pouvez synchroniser et automatiser des tarifs et des réservations sur plus de 85 plateformes. C'est un minimum, hein, 85 plateformes. Il y en a certaines qui peuvent aller jusqu'à 150 plateformes. Encore une fois, ça ne sert à rien d'être publié sur 150 plateformes. Ne vous laissez pas avoir par le nombre de plateformes sur lesquelles vous allez vous publier. C'est important donc de vraiment choisir votre channel manager et les plateformes sur lesquelles vous allez vous publier par rapport à la typologie de votre clientèle. Parce que ça vous évitera des doubles réservations. Un bon channel manager met à jour automatiquement les disponibilités de toutes les plateformes sur lesquelles vous allez être publié. Donc, dès que vous allez recevoir, par exemple, une réservation de Airbnb sur votre channel manager, automatiquement, votre channel manager mettra à jour les disponibilités sur les 20 autres plateformes. La même chose pour vos tarifs. Vous réalisez une modification de tarif dans votre channel manager. Par exemple, vous allez faire une promotion de dernière minute.
cette promotion sera automatiquement diffusée sur toutes les plateformes. Vous recevez visualisé vos réservations sur un calendrier centralisé. Moi, je vous conseille ici de choisir un channel manager, si vous prenez un channel manager, avec une application mobile. Tous les channel managers ne l'offrent pas, mais encore une fois, nous sommes dans une profession qui bouge. Vous êtes souvent dans les chambres, vous êtes très souvent en contact avec le locataire ou avec un propriétaire, et c'est très, très rare quand vous êtes à côté du téléphone. Une application mobile, clairement, va vous rendre la vie plus facile. Il y a quelques années, d'où le panorama, j'avais une agence immobilière en Mexique et la plupart de mes réservations, je recevais sur la plage. donc voilà, j'en profitais pas trop, mais en attendant, j'étais toujours disponible et ça me permettait vraiment d'optimiser le pourcentage de réservation à l'année ou le taux d'occupation à l'année de mes propriétés. La communication, ça vous permet aussi d'automatiser toute communication entre vous et vos invités. À partir du moment où ils réservent jusqu'à leur départ, en configurant une liste de messages prédéfinis et en envoyant des réponses automatisées. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à écrire depuis la base un email pour répondre aux questions de chaque client. Vous aurez déjà des réponses prédéfinies. Certains channel managers utilisent ce qui s'appelle un chatbot. Un chatbot, c'est en fait une intelligence artificielle qui permet, suivant la question du client, d'envoyer une réponse précise qui aura été déjà paramétrée par vous en amont, d'accord ? Ils sont un peu chers, mais vous n'avez pas besoin d'être connecté à votre channel manager. D'autres vous permettent ici d'intégrer directement des messages prédéfinis. Vous n'avez plus qu'à choisir le message et à l'envoyer. Oui. Il y a des questions. Alors, est-ce qu'il faut un nombre minimum de gîtes ? Là, un participant nous indique qu'Abritel et Airbnb n'acceptent pas les channel managers à moins de 10 gîtes. Et donc, dans ce cas-là. Alors, non, c'est faux. Non. Par exemple, encore une fois, Rentals United a justement une option pour les property managers ayant moins de 5 propriétés. Hein. Donc là, encore une fois, il faut vraiment choisir. Recherchez sur Google, vous allez avoir, on va vous donner des options comparatifs, channel manager pour propriétaires de moins de 5 propriétés et vous allez avoir ici toute la liste, encore une fois. Vraiment, il y a de tout pour tout. Et si vous passez à travers d'un channel manager comme Rentals United, même si vous avez 2 propriétés, ça les intéresse. Ça les intéresse et ils vous publieront sur ces différentes plateformes sans aucun problème. Ils sont forcément compatibles avec Abritel et Airbnb, par exemple. Tout à fait. À partir du moment que vous vous connectez à un channel manager, vous avez accès à 5, 10, 20, peut-être pas autant de plateformes que si vous avez 10 propriétés, mais vous aurez quand même un large choix et vraiment adapté à votre clientèle. Ok, alors Nicolas nous demande, faut-il supprimer ses propres annonces qu'on a déjà sur Booking ou Airbnb par exemple lorsqu'on utilise un channel manager, ou est-ce que c'est le channel manager qui crée les annonces ? Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais en général, non, vous ne devez surtout pas, à part si vraiment ça a été mal fait, c'est horrible, vous avez eu plein de personnes qui vous ont envoyé des mauvais avis, là, je vous conseille en effet de les supprimer. Mais en général, si vous avez bien fait attention à votre marketing, que vous avez déjà des bons commentaires, surtout ne les perdez pas. La plupart des channel managers vous permettent de fusionner votre nouvelle annonce avec l'ancienne annonce, d'accord ? C'est-à-dire que ou on se connectera à l'ancienne annonce ou on fusionnera la nouvelle annonce avec l'ancienne annonce, mais en gardant les commentaires voyageurs et votre note que vous avez eue jusqu'à ce jour. C'est déjà un thème qui a été pris en compte par tous les channel managers parce que vous ne voulez pas, si vous avez vraiment de bonnes notes et comme on l'a vu juste avant, le fait d'avoir une bonne classification vous permet d'avoir une meilleure position dans Booking et Airbnb. Vous ne voulez surtout pas perdre cette classification. Et les channel managers vous permettent de la garder
en fusionnant votre nouvelle annonce avec l'ancienne annonce. La même chose, le jour où vous allez décider d'arrêter de travailler avec un channel manager, vos annonces ne seront pas dépubliées, vous aurez toujours la main mise dessus et vous pourrez déconnecter tranquillement ce channel manager et toujours gérer vos annonces ou manuellement ou avec un autre channel manager. Okay. Il y a eu aussi plusieurs questions sur la tarification, sur les commissions, comment à travers un channel manager on peut gérer sa commission, qui n'est pas forcément la même d'une plateforme à l'autre. Alors, en effet, ça aussi, ça a été pris en compte par les channel managers. Vos channel managers vous permettent pour chaque plateforme de gérer une commission différente. C'est-à-dire que vous avez un prix de base, on imagine 200 euros, et à ce prix, vous pouvez rajouter pour Airbnb, par exemple, Airbnb 15% de plus dans le prix. Donc, le prix qui sera affiché sur Airbnb automatiquement sera de 15, 30, 230 euros. Ça inclura directement donc la commission Airbnb. Ce sont des choses que vous pouvez configurer. Chaque passerelle, chaque plateforme peut être configurée différemment avec un prix différent. C'est vraiment quelque chose, maintenant, c'est très basique avec les channel managers. Et donc, vous pouvez vraiment, après, c'est pareil. Par exemple, lorsqu'une réservation retombe, vous pouvez décider que la totalité de l'argent suivant la plateforme sur laquelle la réservation arrive aille sur le compte du propriétaire, aille sur votre compte, ou un pourcentage sur votre compte, un autre pourcentage sur le compte du propriétaire. Il y a vraiment des configurations comme ça qui peuvent être vraiment spécifiques à chaque plateforme et qui, encore une fois, vous facilitent la vie. Derrière, vous n'avez plus rien à penser, c'est automatisé. Alors sur la partie tarif, on en reparlera d'ailleurs dans un autre atelier sur comment est-ce qu'on réduit sa dépendance avec les plateformes et comment est-ce qu'on passe sa part de vente en direct au-delà de 50%. C'est notamment en agissant sur les tarifs. Hein, il est conseillé d'avoir le même tarif sur l'ensemble des plateformes, d'où l'intérêt du channel manager, mais de veiller quand même à ce que le prix soit plus intéressant sur son propre site, évidemment, meilleur tarif garanti sur son propre site, il ne faut pas hésiter à l'afficher. Est-ce que le channel manager, justement, est une aide pour ça? Oui, tout à fait. Alors, le channel manager, comme on en parlait auparavant pour Airbnb, certaines personnes sont ont un peu de mal à se publier sur Airbnb, justement, par rapport à la typologie de clientèle qui pourrait venir de cette plateforme. Augmenter les prix. Mettez un 30% de plus, vous aurez moins de réservations, mais vous en aurez et d'une clientèle plus aisée, donc qui prendra soin de vos logements. C'est aussi encore une fois, c'est du marketing dans du marketing, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment choisir les plateformes et le type de personne qui réservera au travers de ces plateformes grâce à ces configurations de base. Et pour ce qui est en effet de votre site, le marketing est totalement différent. Comme je vous l'expliquais juste auparavant, les données entrées dans votre channel manager ne doivent pas être les mêmes que sur votre site. Pourquoi ? Parce que le marketing est différent. Votre titre, par exemple, sur votre site devra comporter le nom de la ville, le nombre de pièces, des choses vraiment précises sur votre logement pour le faire remonter dans les moteurs de recherche. Quelque chose dont vous n'avez pas besoin dans le marketing d'annuaire, c'est-à-dire au travers de Airbnb et Booking. Pourquoi ? Parce que les personnes vous trouveront d'une manière différente. Ils sauront déjà que vous êtes à Nice, basé à Nice. Ils sauront déjà que vous pouvez recevoir 6 personnes. Ici, il faudra vraiment mettre des informations différentes. Et le fait d'avoir ces informations… Alors, certains channel managers vous proposent d'intégrer une brique dans votre site web. Moi, je ne vous le conseille pas. Encore une fois, pour le type de marketing qui est totalement différent. Et donc, les annonces doivent être présentées différemment. Les titres et descriptifs doivent être présentés différemment. Mais vous avez la possibilité. Vous avez toujours, par exemple, Winters United, Base24 vous propose en effet d'intégrer une brique directement dans votre site. Ne le faites pas. C'est mon conseil.
Le loss pricing, alors Philippe nous demande si justement Rental United gère le loss pricing. Bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est le loss pricing. Alors, le loss pricing, en fait, c'est des flux XML. Ce sont dans les flux XML, vous envoyez des prix par jour. D'accord? C'est automatiquement calculé. Les loss pricing, ça viendrait peut-être plus d'un logiciel comme SPI, location saisonnière, comme Archian, comme. Mais c'est en fait, c'est dans les flux. Dans les flux, tous travaillent maintenant avec le loss pricing, en effet. Ce sont les prix calculés à la journée, à la semaine. D'accord? Mais ça, vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper pour ça. C'est pris en charge dans les flux. C'est quelque chose de normal et c'est pris en charge dans les API Airbnb, Google, justement, au travers des channel managers. Ok, Stéphanie nous demande aussi, est-ce que ça vaut le coup pour un gîte? Il y a beaucoup d'ailleurs parmi les 92 participants qui sont connectés, il y en a beaucoup qui ont juste un gîte. Est-ce que ça vaut le coup du coup de passer par un calendrier Hical ou un channel manager? Alors oui, bien sûr, parce que encore une fois, comme vous expliquez, vous pouvez intégrer. Donc, moi, je vous conseille si vous n'avez pas beaucoup de propriétés ou si ces propriétés, on va dire, ne sont pas de luxe, d'utiliser des channel managers qui travaillent au pourcentage. Pourquoi? Parce que ce pourcentage de 3% en général, 3 à 5%, peut être surcommissionné au locataire. Ou qu'est-ce que ça va vous donner? On l'a vu un petit peu avant, ça va vous donner, vous allez être publié sur différentes plateformes, Airbnb, Booking, Abritel, sans jamais avoir à vous préoccuper de la double réservation. Quand vous annulez une réservation sur Booking 1, vous perdez en référencement. Et deux, en plus, vous devez payer on va dire, des charges par rapport à cette annulation. D'accord? Donc, et à la fin, si vous faites le calcul, si vous annulez, on va dire, 3 réservations dans le mois, ça vous paye le channel manager. Ça vous paye le channel manager. Donc, ça, c'est une des manières. Et en plus, encore une fois, l'automatisation, l'actualisation, ça, vraiment, vous allez gagner au niveau de temps. Des heures et des heures de travail. À chaque fois que, si vraiment votre idée dans le futur, c'est de vous publier sur Booking, Abritel et Airbnb, on a vu que c'était vraiment intéressant, encore une fois, au niveau du pourcentage de réservation au moins, vous allez vraiment perdre beaucoup de temps à mettre à jour tout le temps ces calendriers. Moi, j'ai essayé, hein. Je vous parle, je l'ai fait avant, j'actualisais le tout avec le Google, avec un Google Calendar. J'ai vite abandonné, c'est une perte de temps horrible, c'est compliqué et vraiment ce que peut vous offrir cette Channel Manager, c'est un gain de temps incroyable, une tranquillité d'esprit, vous ne pouvez même pas vous imaginer. La plupart, pour vous faire une meilleure idée, souvent, la plupart vous offrent un mois d'essai gratuit. Donc, essayez-le par vous-même. Vous allez voir vraiment, c'est un gain de temps incroyable. C'est une facilité de communication avec vos clients et même avec vos propriétaires que si vous avez plusieurs logements que personne ne peut vous donner, quoi. Et donc, voilà, c'est mon point de vue à moi. D'autres questions? Alors, oui, mais on a beaucoup de questions aussi. Enfin, c'est plus du débat parce que chacun a un ressenti différent par rapport à son expérience avec tel ou tel challenge manager. Donc, j'invite tout le monde à lire les commentaires parce que c'est intéressant, hein, il y a des échanges d'idées et chacun a son témoignage. Après, moi, j'ai des questions que j'avais gardées sous le coude, plus sur la visibilité. Est-ce qu'on aborde ça ou... Oui, bien sûr. D'accord. Ok, alors des questions sur tout à l'heure, tu parlais de l'algorithme en fait, qui permettait d'être plus visible. Est-ce que, nous demande Nathalie, la rapidité des réponses aux commentaires est aussi prise en compte, par exemple? Oui, Nathalie, totalement, totalement. Plus rapidement on répond à un locataire, mieux on sera référencé sur les sites. Clairement, ça a un énorme impact. Et surtout pour Airbnb. Airbnb le prend vraiment en compte. Oui. Ok. On nous a demandé aussi, il y avait une question d'Alain sur le programme Superhost d'Airbnb. Superhost de Airbnb, en fin de compte, il faut avoir une très très bonne évaluation des voyageurs.
Encore une fois, ça c'est quand on compte. Le super host, ça permet vraiment d'être référencé dans les premières positions. Alors, encore une fois, par exemple ici, un channel manager, mais vous pouvez le faire vous-même. Ce n'est pas parce que le client est parti que la réservation est terminée. Une fois qu'il est parti, n'hésitez pas à lui envoyer un email. Là, on est encore, c'est un autre type de marketing très important. Prenez les emails de vos locataires. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, vous pouvez leur envoyer un emailing pour les relancer, pour qu'ils reviennent. Si leur expérience a été bonne, ils ne penseront même pas aller louer chez une autre personne. Ils viendront chez vous. Et donc, n'hésitez pas à leur présenter les actualités, les nouveaux logements que vous avez à disposition. D'accord? Et les gens sont très friands. Je me suis perdu. mais donc voilà, donc ici il s'agit encore une fois d'un autre type de marketing, mais bien sûr, relancer les clients derrière, ça les clients vous répondront très, s'ils ont une bonne expérience, très positivement. Et surtout, mettez-leur dans cet email de laisser un commentaire sur le site, laissez-leur une note, n'hésitez pas à leur dire, parce que le client ne le fera pas par lui-même. Dites-lui de laisser une note, s'il vous plaît, s'il a aimé son séjour, et des commentaires. Et clairement, vous pouvez le faire à travers un message vraiment intime, c'est-à-dire un message qui aurait été vraiment personnalisé pour cette personne. Mais vous pouvez faire aussi un email vraiment automatisé qui sera envoyé automatiquement depuis, par exemple, votre Outlook ou depuis votre Channel Manager. Mais faites-le vraiment, parce que ça vous permettra d'être dans les premiers publiés sur Airbnb, Booking, Abritel. Le Superhost, c'est quelque chose qui clairement vous rapporte, il me semble, sur les dernières statistiques, à 20 ou 25% de location en plus. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, oui. Alors, Isabelle nous dit donc qu'il faut répondre aux commentaires des clients. Alors oui, Alexandre nous l'avait d'ailleurs expliqué. Pour ceux qui étaient à l'atelier avec Google Atelier Numérique sur comment on optimise sa fiche Google My Business, bien sûr, c'est tous les algorithmes, même pas seulement ceux des plateformes. Donc, il est très important de répondre aux commentaires et aux avis de vos clients. Et je vous invite du coup à revoir le replay de cet atelier-là, parce qu'on vous y explique quelles sont les meilleures façons de répondre aux commentaires. Aussi très important, encore une fois, pour mon expérience, autant les mauvais commentaires que les bons commentaires, il faut y répondre. Et les mauvais commentaires, lisez-le, respirez, partez faire un tour, revenez et répondez-y. Faites-le pas sur un coup de tête. On peut, un mauvais commentaire peut devenir source de, à la fin, de, ça peut en fait être retourné et vraiment ça peut vous rapporter des réservations. Le fait d'avoir un mauvais commentaire, on imagine le matelas était trop dur, on a changé le matelas, ou vraiment la queue est horrible, on est désolé, on fera la prochaine fois, on fera notre mieux pour recevoir au mieux, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et voilà, retourner un mauvais commentaire n'est pas obligatoirement quelque chose de mauvais, ça peut être vraiment retourné à votre avantage. Mais encore une fois, pour mon expérience personnelle, n'y répondez pas sur un coup de tête. Attendez, respirez, revenez et répondez-y. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Ok, alors là, j'ai pas posé toutes les questions, mais il y avait pas mal de commentaires et de témoignages sur le channel manager, les utilisations des channel managers. Donc j'en profite pour dire que le fil de discussion, lui aussi, pourra être enregistré. On va pas diffuser, par contre, parce que il y a des questions, c'est privé, mais on va pouvoir faire un petit digest et donc ajouter peut-être au document quelques commentaires complémentaires. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, mais allez-y. Je sais pas, Mathieu, où tu en es du coup de ta présentation. Non, mais là, ça y est, c'est bon pour aujourd'hui. Il nous reste encore un quart d'heure, donc on a le temps. Allez-y. Si vous avez des questions d'ordre divers par rapport aux plateformes et aux channel managers. Alors, je suis en train de regarder là la dernière question de Gilles. Je me permets de remettre ma question. Quand on a plusieurs gîtes qu'on loue individuellement ou ensemble, capacité de 2 à 4 personnes avec beaucoup de devis, est-il
Alors là, clairement, il vous faut un channel manager. Hein. Il vous faut un channel manager parce que sinon, c'est invivable. Oui, moi, j'ai l'exemple de client, en effet, qui est… Avec un channel manager, c'est viable. C'est vraiment viable, Gilles. Oui, c'est tout à fait possible. Après, c'est beaucoup, en fait, derrière de on va dire, faut vraiment bien le configurer. Mais oui, c'est tout à fait possible et c'est même très recommandé. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Alors, il y avait une question d'Alain, apparemment, à laquelle on n'a pas répondu, sur la synchro directe par Airbnb. Oui. Oui, c'est synchronisé directement. C'est synchronisé directement, bien sûr. Ah, mais bien sûr, en général, la mise à jour depuis un channel manager vers Airbnb, Booking, Abritel, ça prend, c'est quasiment instantané. Ça prend entre 0 et 10 secondes. C'est vraiment justement l'avantage d'un channel manager. C'est justement pour éviter les doubles bookings. La synchronisation est faite quasi instantanément. Le risque de double réservation est pratiquement nul. Et c'est justement, c'est un énorme avantage. Une question que je me permets de poser moi-même, du coup. Oui. Parce que sur certaines plateformes comme Airbnb ou HomeAware, on a le choix entre la réservation directe ou une étape de validation. Est-ce qu'il est recommandé plutôt de passer par cette étape de validation si on a trop peur d'avoir des problèmes de surbooking, ou est-ce que c'est trop pénalisant en termes de demande et qu'il faut quand même faire l'effort d'aller vers la réservation directe? Alors, la réservation directe sur Airbnb, encore une fois, ça optimise la publication de votre bien. C'est encore si vous êtes en direct, Airbnb va vous proposer dans les premiers résultats. C'est encore une autre optimisation prise en compte par l'algorithme de Airbnb. Hein. À partir du moment où vous êtes connecté à un channel manager, encore une fois, la double réservation est pratiquement nulle. C'est pratiquement impossible d'avoir une double réservation. Faut vraiment, ça serait de la faute de votre channel manager, et là, il faudrait voir avec eux pour voir quelle pénalité leur infliger, on va dire. Mais c'est tellement rare, c'est quelque chose de pratiquement impossible, vraiment. Donc voilà. De toute façon, avec la plupart des channel managers, quand vous travaillez avec un channel manager, en général, toutes les plateformes comme Airbnb, Booking et Abritel, et même presque toutes les autres, vont vous obliger à travailler en réservation directe. C'est quelque chose à savoir. Vous n'allez pas avoir le choix d'accepter ou pas une réservation. Vous êtes obligé de la prendre. Pourquoi ? Parce que vous mettez en concurrence les plateformes. C'est-à-dire que Airbnb, Booking, Abritel savent que vous travaillez avec un channel manager, vous êtes en concurrence directe, vous les mettez en concurrence directe. Donc, elles veulent avoir le choix de dire « Ok, là, c'est libre, je veux cet espace avant Booking ou Abritel. » Donc, vous n'avez pas le choix en général, vous devez vous mettre en réservation directe. Alors, Eliane, pour des chambres d'hôtes, est-ce qu'on peut limiter le nombre de chambres selon les hôteliers? Bien sûr, c'est vous qui décidez en fait ce que vous affichez. Et une question de Nicolas, je suis sur Gîtes de France, est-ce compatible avec un channel manager? Tout à fait, avec plein de channel managers, avec pratiquement tous les channel managers d'ailleurs. Gîtes de France est très bien connecté, oui. Ok. Ensuite, Airbnb Abritel n'oblige pas à faire la réserve instantanée, seul Booking le fait. Oui, effectivement, sur Booking, on n'a pas le choix. Mais après, il n'y a pas que cela, il y a beaucoup de plateformes qui proposent le choix entre instantané ou avec une étape de validation. Voilà, mais encore une fois, ça dépend de votre channel manager, mais comme je disais, mais par exemple, si vous travaillez avec un logiciel, encore une fois, pour professionnels comme SPI, vous n'avez pas le choix. Instantané. Airbnb, Abritel vous oblige à travailler en instantané. Ça dépend, encore une fois. Je vous conseille de regarder la liste des channel managers disponibles sur le marché et choisissez celui vraiment qui convient à votre compagnie. Vous avez tellement de variantes. Il y en a obligatoirement un qui s'adapte vraiment à votre compagnie.
et à la typologie de votre clientèle. Ok. Alain alors, a fait une observation. Il y a beaucoup de questions qui arrivent tout d'un coup. J'ai un petit peu de mal à suivre. par rapport à la synchro, je ne la retrouve pas. Alain, désolé. Et mon observation, je ne la vois plus. Elle est remontée trop haute. Désolé, Alain. Essayez peut-être, juste si vous avez une question, de la republier. J'essaierai de ne pas la louper. Ensuite, on a donc Eric. Blocage planning possible a priori sur un channel manager. Oui, blocage planning et en plus, blocage des plannings différents suivant chaque passerelle. Vous pouvez faire un blocage de planning pour toutes les plateformes d'un coup ou pour certaines plateformes. Par exemple, vous savez que Airbnb en juillet-août, c'est conflictif. Vous pouvez bloquer le planning de Airbnb, mais le laisser ouvert pour Booking, par exemple, Airbritel. Ça, c'est tout à fait possible. Vous savez très bien, par exemple, que juillet-août, vous n'avez pas besoin des plateformes pour louer. Vous pouvez bloquer tranquillement. Vous avez des propriétaires qui veulent venir dans leur propriété. Vous pouvez bloquer aussi. Vous ne serez pas chargé pour ça. Vous pouvez vraiment bloquer. En général, Airbnb demande sur l'année un minimum, il me semble, de 15 à 20% de disponibilité. Là, ce n'est pas un problème du channel manager, c'est plus un problème de la plateforme de diffusion. Mais vous avez vraiment la main, c'est vous qui avez la main sur les propriétés. Okay. Emmanuel nous demande où est-ce qu'on trouve la liste des channel managers. Alors, sur les sites directement, vous allez à la liste des channel managers, pardon. La liste des channel managers, mettez-le dans Google, dans la recherche Google, vous allez les trouver. Faites comparatif de channel manager, il y a plein de sites qui les référencent et justement qui notent leurs points faibles, leurs points forts. Vous allez vraiment les trouver, c'est très facile à les trouver. Okay. On ne fait pas la publicité d'un challenger ou d'un autre et on ne vous dit même pas il faut à tout prix être sur un channel manager, même si Mathieu a beaucoup d'arguments. L'alternative, donc, on parle aussi des calendriers synchronisés, comment est-ce que ça se passe si vraiment on décide de ne pas être sur un channel manager? Alors l'alternative, par exemple, vous avez moi j'utilisais par exemple le calendrier de Google qui marche très très bien. Les channel managers travaillent au travers d'une technologie qui s'appelle les API. Hein. On parlait des logs, par exemple. Les logs, ce sont des données qui remontent au travers des API. Après, vous avez une autre technologie qui est un peu plus ancienne, mais qui marche très, très bien, qui sont les ICAL. Et par exemple, Google Calendar, calendrier, vous permet de publier, de mettre à jour les calendriers sur différentes plateformes au travers d'ICAL. Airbnb, normalement, alors ça fait quelques temps que je n'ai pas regardé, peut-être que ça a évolué, mais pour moi, il me semble que vous pouvez encore l'intégrer. Vous pouvez intégrer un lien ICAL. Vous devez donc créer une propriété sur Google. Cette propriété, vous pouvez récupérer un lien ICAL et le mettre dans Airbnb, Booking, Abritel, normalement, Booking, quoi, Booking, je ne suis pas certain. Bon, moi, Abritel et Airbnb, oui. Et dès que vous aurez une réservation, ça mettra à jour votre calendrier sur Google et ça mettra à jour donc l'autre plateforme. C'est un peu plus vieux. Moi, j'ai un peu de mal maintenant à le faire en ayant travaillé plusieurs années avec les channel managers. C'est beaucoup plus sécurisé, les channel managers, mais si vous ne voulez pas les utiliser, vous avez vraiment cette possibilité d'utiliser Google Calendrier qui fait, ça fait le travail, hein, ça fait le travail. Ok. Alors, une question de Virginie. La chose à surtout pas faire quand on est sur Booking ou au contraire, la chose qu'il faut absolument faire? Alors, la chose à ne pas faire sur Booking, encore une fois, la rédaction de vos… C'est mon point de vue à moi, la rédaction de vos descriptifs. Mettez pas en grosses lettres comme ça, c'est horrible. On dirait que vous criez et c'est pas vendeur du tout. Et ou de mettre pratiquement aucune information. On travaille nous tous les jours avec beaucoup d'agences immobilières et il y en a beaucoup en fait, c'est très succinct l'information qui donne et les photos ne sont pas bonnes et vraiment ça, si le descriptif n'est pas bon, vous ne louerez pas. C'est clair. Les choses à faire, on vient de les voir.
Optimisez vos annonces. Faites que vos annonces soient des annonces qui vendent. À la fin, on est tous là pour ça. Ce qu'on veut, c'est vendre, c'est optimiser vraiment le taux d'occupation. Et pour optimiser le taux d'occupation, la base avant de payer plus, c'est d'optimiser la visualisation de vos propriétés. Hein, avant de toucher les prix, avant de payer plus une plateforme pour vous mettre en première position, optimisez vos annonces. Ça ne coûte rien et vraiment, ça marche. Ok. Et puis, la vidéo, nous demande André, est-ce que ça joue un rôle important ? Alors, ça commence à être repris sur certaines plateformes. Il n'y en a pas encore beaucoup qui la reprennent, mais oui, ça joue un rôle important. Sur votre site, par exemple, ça a été démontré que la vidéo, ça attire beaucoup de monde si votre logement est plutôt sympathique. Donc oui, ça attire du monde, mais peut-être pas encore assez pour ce type de marketing. Ce type de marketing, moi, je vous conseille vraiment plus de dépenser de l'argent ou d'optimiser de votre côté, comme vous pouvez, les photos. Les photos, c'est quelque chose de très vendeur. Voilà. Alors, Isabelle nous demandait aussi comment on crée une propriété sur Google. Alors là, je vous renvoie à un atelier précédent qu'on a fait avec Google Atelier Numérique. Vous avez le replay sur le site pro du CRT où justement on vous explique comment créer ou optimiser le paramétrage de sa fiche établissement dans Google My Business ou le créer si vous n'en avez pas en allant tout simplement, ça ne s'appelle plus d'ailleurs Google My Business, c'est Google Business Profil, comment créer sa fiche établissement. Une question de Geneviève aussi, Booking a une stratégie où il s'aligne sur le prix le plus bas, comment est-ce qu'on gère ça avec un channel manager? Alors, non, la stratégie, c'est vous qui la mettez. À savoir, il y a eu des choses intéressantes qui sont passées avec Booking, Airbnb et Abritel pendant la pandémie. Bien que Airbnb ait eu la plus grosse part du marché, encore une fois, Booking a été la plateforme qui a dépensé le plus en publicité pendant la pandémie. Donc, encore une fois, l'intérêt ici d'être publié autant sur Airbnb que sur Booking, la stratégie de la plateforme est différente. Certaines vont dépenser plus en publicité, d'autres moins, mais ont plus de poids au jour d'aujourd'hui sur le marché. D'accord ? Maintenant, la stratégie, c'est vraiment vous qui la faites. C'est vous à travers ben justement de vos prix, peut-être de promotions de dernière minute, au travers de sur quelle plateforme vous êtes publié ou pas, quelle est la typologie de votre clientèle, mais c'est vraiment vous qui avez la main. Ne laissez pas Booking ou Airbnb, ne dépendez pas d'eux. On en parlait justement. C'est vraiment vous qui avez la main sur vos propriétés. Vous choisissez où vous vous publiez, vous choisissez comment vous vous publiez. D'accord. Alors, je ne connaissais pas, moi, cette promotion ou cette annonce de Booking là, qui indiquait si vous trouvez un prix plus bas ailleurs, on s'alignera. Mais de toute façon, le prix est défini, ils ne peuvent pas le modifier, c'est ça hein? Non, ils ne peuvent pas le modifier. Ils ne peuvent pas le modifier, vraiment. Par exemple, Abritel vous prévient que s'il trouve votre annonce à un prix moindre autre part, vous serez pénalisé. Le pire qui peut se passer, c'est qu'il vous dépublie. Encore une fois, libre à vous de vous publier. Alors, quand vous allez vous publier au travers d'un channel manager, le descriptif sera le même sur toutes les plateformes sur lesquelles vous allez vous publier. On en parlait encore tout au début. La stratégie utilisée sur votre site web est différente que celle des plateformes, d'accord ? Moi, je vous conseille encore, les mots-clés utilisés sur votre site web vont être différents aux plateformes, aux passerelles, genre Airbnb et Booking. Donc, surtout, n'utilisez pas le même descriptif, n'utilisez pas le même titre. En plus, vous enlevez un problème en moins que même si Abritel un jour ira sur votre site, ils ne retrouveront pas votre propriété. Pourquoi ? Parce qu'Abritel ne s'amuse pas à aller sur votre site à cliquer une par une dans vos propriétés. Ce qu'ils font, ils recherchent le titre de l'annonce, parce que le titre de l'annonce, quand vous publiez à travers un channel manager, est le même sur toutes les plateformes. Et s'ils ne le retrouvent pas sur votre site, parce que vous avez un autre type de titre, ils ne vous pénaliseront jamais. Alors, Philippe, qui est allé voir la plateforme Rental United, nous indique qu'elle est peut-être plus adaptée
à des loueurs avancés qui ont un nombre de gîtes conséquent. Il y a pas mal de questions sur Booking. Alors, est-ce qu'on peut les quitter facilement? Est-ce que, il y a des erreurs à éviter lors de la création du compte sur Booking? Et qu'est-ce que c'est le programme Genius sur Booking? Ou est-ce que c'est intéressant? D'accord, oui, c'est beaucoup de... Alors, Rentals United... Bon, sur Booking, on va se focaliser sur ces trois questions-là déjà. D'accord. Pour répondre rapidement à Rentals United, par exemple, ils ont aussi une option pour justement les propriétaires qui ont moins de 5 propriétés. Mais encore une fois, moi, clairement, je n'y gagne rien. C'est choisissez, faites un comparatif, recherchez vraiment, si vous désirez travailler avec un channel manager, celui qui vous convient le mieux. Maintenant, pour Booking, alors Booking, c'est le dinosaure, on le hait tous dans la profession, c'est un dinosaure. C'est une plateforme qui à la base était faite pour les hôtels et qui a évolué, mal évolué pour la location saisonnière. Si vous désirez retirer une annonce Booking, vous devrez demander à une personne de Booking de la retirer pour vous. Vous ne pouvez pas le faire de votre côté. C'est impossible. Booking ne le permet pas. Les erreurs à éviter lorsque vous créez une annonce Booking. Normalement, il n'y en a pas vraiment parce que vous avez, si tout va bien, la main sur la totalité de votre annonce, les prix, les photos, les descriptifs. Booking, oui, choisit un titre pour vous, pour l'annonce. Ce titre ne sera modifiable que par votre chargé de compte Booking. La même chose, ça c'est quand vous travaillez au travers d'un channel manager. Hein. La même chose, gare à l'adresse, mettez bien l'adresse dès le début, une bonne adresse parce qu'après Airbnb, Booking, Arritel, je ne crois pas, ils sont plus flexibles, mais vous direz non, on ne peut pas le modifier, vous veuillez prendre contact avec votre chargé de compte et c'est encore des heures au téléphone à passer, à essayer de modifier ces données. Quoi, et si elles auraient été bien intégrées dès le début, vous n'auriez pas eu tous ces problèmes. Voilà. Je vais prendre peut-être une dernière question. On arrive au bout. Je suis désolé. Il y en a plein. Il y aura sûrement d'autres qui vont peut-être vouloir s'exprimer. Mais on va de toute façon reprogrammer des ateliers parce que c'est un thème qui est quand même très partagé, très intéressant. Et apparemment, où il y a beaucoup de participation. Alors, la dernière question, là, je vois quelqu'un nous disait, voilà, Virginie, par exemple, faut-il se faire connaître sur Booking et les autres par un autre nom que celui qu'on utilise pour son site perso? Alors, la question vient peut-être du fait que Booking en particulier, mais pas que eux, utilisent pour référencer votre logement le nom de votre logement dans les mots-clés. Et donc, parfois, ils passent devant vous dans les résultats de recherche sur Google et peuvent du coup piquer votre clientèle que vous auriez pu avoir en direct. Donc, on peut tenter d'utiliser un autre nom pour se faire référencer chez eux. Je pense que c'est le sens de votre question, Virginie. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Alors moi, je pense que non. Non, pourquoi? Parce que maintenant, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont rechercher sur Booking, par exemple, un hôtel ou une location. Et une fois la location trouvée, ils essayent de la retrouver pour réserver en direct parce qu'ils savent très bien qu'en direct, ça coûte moins cher. Donc, moi je fais, hein, je suis le premier à le faire, mais non, moi je pense personnellement qu'il faut ça marche au contraire, ça marche à l'inverse. En mettant votre nom, vous assurez, je pense, des relations directes. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui le font. Qui vont vous demander peut-être un escompte parce qu'ils savent très bien en plus que Booking et Airbnb vous chargent des frais. Ok, alors je vais clôturer là, mais Mathieu, peut-être pour aller plus loin et puis répondre, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, donc je vous disais, on refera des webinaires sur le sujet, mais Mathieu aussi peut vous accompagner individuellement si vous le souhaitez. Alors c'est un petit peu le deal, il vient, et c'est gratuit, faire part de tout son savoir-faire et vous donner des astuces, mais bon, il a aussi son activité, donc je lui laisse quelques petites minutes pour qu'il puisse vous en parler. Ben, non, Isabelle, non, il y a pas de merde derrière. Non, c'était ça me paraissait pas mal de mettre ce fond d'écran, ça me rappelle beaucoup la location saisonnière. C'est vraiment
C'est vraiment par rapport à ça. Pour moi, la location saisonnière, ça fait des années que j'y travaille et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'adore ça. J'ai eu l'occasion justement de gérer. Petite question ici, je vous y réponds rapidement. Oui, c'est fait pour aussi les campings et justement, on parlait des plateformes sur lesquelles vous serez diffusé, elles seront différentes. Hein. Ça sera vraiment différent à Airbnb, Booking, mais vous pouvez utiliser, il y a des channel managers spécialisés pour les campings. Je vous présente rapidement aussi mon entreprise. Donc, en fait, moi, à la base, je gère une compagnie qui s'appelle Expert LS, qui aide tous les professionnels dans la gestion administrative et comptable de leur compagnie, dans le marketing et l'optimisation web. Et aussi, on fait beaucoup de formations vraiment sur des cas spécifiques comme l'utilisation de certains logiciels, de certaines plateformes. Vraiment, il y en a très spécifiques à. Par exemple, pour les agences immobilières comme comme SPI Location Saisonnière, comme Markian, où là, on enseigne vraiment de tout ce qui est, ça va de utilisation logicielle à comptabilité, à optimisation web, ou des channel managers, où vraiment, même, on peut faire de la saisie de biens sur les channel managers, quand vous avez 200 biens à saisir. En effet, il vaut mieux passer par une personne qui le fasse pour vous déjà. Comme ça, vous vous dédiez vraiment à vos tâches et vous déléguez ces tâches récurrentes à d'autres personnes. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Je sais qu'une heure, c'est vraiment court. Vous avez ici mon email. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et ça sera un plaisir pour moi d'y répondre. Je ne vous chargerai pas, je vous le promets. mais vraiment, ça m'a fait. C'est un énorme plaisir pour moi de partager ces connaissances avec vous aujourd'hui. Et j'imagine que maintenant, vous avez encore plein de questions que vous vous posez. Je ferai un autre cours la semaine prochaine, vraiment plus dédié à tout ce qui est channel manager et à d'autres logiciels que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la vie dans vos tâches quotidiennes. Il y a vraiment en fait des logiciels sur le marché qui vous permettent vraiment de vous faciliter la vie et qui vous donnent un gain de temps et qui vous donnent cette tranquillité de pouvoir vous dédier aux tâches qui importent vraiment pour améliorer la gestion de votre propriété pour gagner plus de clients. N'hésitez pas à les utiliser. Au début, ça peut paraître un peu cher, mais c'est quelque chose qui est très rapidement qui est englobé dans le prix dans vos prix quotidiens et vous allez gagner du temps. Vous avez gagné du temps et moi, je peux simplement vous conseiller de les utiliser. Donc, voilà. Et puis, je voulais vous dire à tous un énorme merci pour vous intéresser vraiment à vous intéresser à cette profession, encore une fois, qui pour moi est vraiment incroyable. Merci à toi, Frédéric, pour me donner la parole. Alors, merci à vous tous aussi pour votre présence un lundi de Pâques. On avait pratiquement 200 inscrits, donc beaucoup vont le voir en replay. Et puis, je voulais m'excuser auprès de tous ceux qui ont posé des questions à qui on n'a pas pu répondre. Je vois Jean-Philippe, Alain, Philippe. Il y a eu vraiment beaucoup de participation et donc tant mieux, merci. Mais voilà, désolé de ne pas avoir eu le temps de tout traiter. Donc, effectivement, par mail à Mathieu ou au CRT, tout simplement. Et puis, lors du prochain atelier, le 25, peut-être sur les channel managers, on ira un petit peu plus en détail là-dessus. Et n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos suggestions. J'ai vu quelqu'un qui s'exprimait sur les campings tout à l'heure, donc sur des demandes, des attentes, des suggestions de sujets. On est à votre écoute pour adapter le programme des webinaires et le développer pour traiter un maximum de sujets qui vous concernent et vous intéressent. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.